passe? On est à Québec. On vient d'arriver à Québec. Check, c'est écrit là. Ah. Le grand. Le plus grand. Tu vois? Le plus grand centre de liquidation. Au Canada. Ah ouais? Ah, nice. À voir. Étoiles. Sérieux? 5, ouais. Ben oui, mais gars, compte! Ben oui, toi, 10 étoiles! Faites attention! Man, ici. Ouais. Peut-être pas sûr. À côté du plus grand! Pas sûr! Le plus grand! Centre de liquidation! Ah, ouais. Moi, juste 5 étoiles! Au Canada! Ah, ouais. Canada! J'ai amené mon sac à dos pour mettre toutes les choses que je vais pas acheter dedans! Ça va être le fun, man, j'ai hâte! Cool! On y va? Et si tu vas de la crap là-dedans, man, ah le non, plus grand au Canada! Je pense la dernière fois qu'on filmait ici, on se l'était fait dire, hein? Oui, c'est vrai, t'en avais jamais. Le concierge nous avait comme menacé. Ah, ils sont là-bas. Salut! Moi, t'as pas le droit de fumer main, hein? Quoi? T'as pas le droit de fumer dans le centre d'achat de main? Fais semblant de parler à ton téléphone, ça va pas. Ouais, ok, fait qu'on va faire semblant de parler au téléphone. Fais ça plus incognito. Hein. Charlotte bon. Poilman, man, il était là. Ben oui, il filmait. C'est lui qui a risqué sa vie. Hein. Ouais, c'était c'est malade. Il se faire péter à gueule par un gars qui est payé au salaire minimum. Tu sais, la série Co sur DS. Ouais, ouais. Hein, je pense que c'est pas pour les fans. Il y a My Japanese Coach. Oui, Spanish Coach. Fun Fact. Quick to Smoke. Mais fun fact, c'est juste de pratiquer, genre, être un petit Joe connaissant. C'est malade. Ils sont quand même 3 pour 20. Ouais, hein? Un Splatterhouse pour Marie. On trouverait ça? Vas-tu trouver ça? T'as-tu déjà joué à ce jeu-là, Zef? Bound by Flame. Non. C'est un genre de jeu. C'est pas un jeu de Donjon Dragon, ça? Ben, style, mais que les conversations, là, on dirait GTA 5. Le monde arrête pas de dire fuck, pis ça parle comme si c'était dans le ghetto, man. C'est ridicule. C'est un jeu médiéval. C'est le PSP. PSP? Ah, mais honnêtement, y'en a pas vrai. PSP, man. Y'en a beaucoup. Non, mais c'est rare qu'on voit une sélection comme ça, man. Mais c'est pas super le fun, un UMD. C'est comme le format le moins le fun, je pense. Un UMD, Sony là. Did it again. Ouais. Non, mais il y a des bons films dessus. Ah oh, oui! De très bons films sur UMD. C'est-tu rire? Ouais. Ouais, le Snow Brothers fake, là. 25$. Ok, c'est un, ah ouais, c'est un repro. Pourquoi tu mettrais jazz à 20$? Pourquoi? T'as clairement jamais joué si tu le mets à 20$. Si vous l'avez à vendre cher, moi je le veux comme déco, mais pas à 20$. Qu'est-ce que tu cherches, Carl? Je cherche un jeu, en fait, je cherche un jeu. J'oublie le nom, mais c'est un jeu de Capcom. Je sais pas. Ah, je vais te trouver ça. Je vais faire une recherche puis je vais mettre une image dans le coin. Je cherche un jeu là. T'as pas les yeux, man. Ouais, mais c'est un hologramme quand même. Oui, je sais. Mais le carton. Il manque le livre en dessous. Mais c'est ça, le livret n'a pas de mal. Mais comme j'ai dit, le char il est stationné à côté. Si je le trouve pas aujourd'hui, en sortant, je vais le peindre. Il a dit qu'il pouvait le faire un prix. Ah oui? Oui. Ah oui? Tu peux me faire un prix? Hey, tabarnouche. Ouais, fait que j'ai zone chronique là.
venez faire votre tour. C'est de shit. Ouais. J'ai tout ça prouvé. Je pense que c'était TXQ qui avait fait ça pour la Wii, genre. Ah ouais, ok. Ouais, comment il tient quand il y a un socket pour mettre une manette de Wii U? Tu peux faire du beau dessin virtuel. Check moi la grosseur du. Hey. C'est comme un gros marqueur, là. Ouais, c'est comme ça, du beau dessin. Aïe, aïe. Hey, c'est beau, ça. Il me semble que je verrais ça sur le bord de ta fenêtre. Oui, mais... T'sais, quand tu t'aimes trop, là, ouais. Tu fais un jeu avec toi dedans. Attends un peu. The ultimate 50 Cent experience is music, is video, is game. Je pense qu'Aster, il est dans la rue, ce gars-là. Hein. Ah, il a tout flambé son cave. Batman a jamais. Ça, c'est Batman avec des nipples, là, c'est ouais, ça? Oui, c'est le premier avec des nipples. Ouais. Oh, shit. Avec des nipples. Nipples. À partir du moment que Batman était sur les hauts. Les unnecessary pepperonis. Baby Spice. Ah non, oh toi, God. Tu veux. Hein. T'achètes ça, là. Toi, tu l'achètes, là. Non, j'ai pas ça, mais c'est de Noël. Hey, man, faut t'achètes ça, là, Grétis. Faut t'achètes ça, Grétis. Tu mérites ça, tu crées ça sur les internets. Mais non, ils sont un peu underage. Ouais, mais plus à cette heure. Mais non, c'est ça. Moi, je trouvais en dessous des pneus. Ouais, c'est ça. En dessous des pneus, juste là, man. Entre deux pneus, t'avais trouvé un Rockin' Bullwinkle. C'est une Troy qui s'en vente ici. Là, mais... Où ça? C'est une 3X Grétis. Hey. Fait qu'on a la première moitié des Lava ouais. Bros. L'autre il est déjà en train de piquer tout là. Ouais. Ben, c'est un bout qui est déjà ici. Ok. Il a dû aller sonder un peu pour aller voir nos chemins de chez PJ Games. Ok. Il manque un gars de Sega Pack. Yes. C'est vrai, hein, on est les 1, 2, 3. C'est ça. Est-ce que vous vous transformez en quelque chose de wow. On fait un gros robot. On fait un gros robot aussi. C'est vrai, le Ganja Lion. Ça, c'est encore plus hot. Ah, si, man, hein. The Wolf. Ouh! Man, avec la caméra, par exemple, ça fait pas l'effet 3D. Ça change d'image. Non, ça change d'image. Check, tu vois. Ah, ben ouais, toi. C'est bizarre. 64. Japonais. Merde, on fait ça souvent. Il y a un jeu de Ben Presto au PS3. Qu'est-ce que c'est ce que ça fait là ici, man? Ça crée pas War 1 au PS2. What the hell? Ça fait là, ça. Ah ouais. Un petit PS2 aussi. Ouais, oui, check. C'est des affaires, man, quand même. Sega Superstar Tennis. Jeu de tennis, man. Mario Tennis. C'est comme Mario Tennis. Sonic Tennis. Mais j'ai le vu. C'est hot en crise, quand même. Ouais. Mais il est quand même pas mauvais. Peut-être. Ouais, je pense que c'est bon. Est-ce hein. qu'il est cher? Tu penses que je paye pas 20$ pour ça? Oui, je sais pas. Dans le PS2, à part les exclus, c'est comme acheter genre des jeux d'Xbox. Ouais. Mais moins bon. Moins bon. C'est des jeux qui vont sans l'expansion pack. Ah. Ouais, mais c'est parce que. Ouais, pour les exclus, ouais, c'est vrai. À part les exclus, ouais, t'as raison. C'est vrai. Non, moi, je le sais. Le Nintendo 64, c'est plat. Ça, on est tous d'accord. Je comprends ça. On est tous d'accord. Je pensais que c'était un VHS. GC, AVC. GX7S700, j'en ai un pareil. Pas de problème. Nice. Hey, t'as de la plug là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que pour quelqu'un qui veut pas se lancer le basic, mm-hmm. tes affaires RCA, ils sortent en S-Video pareil. Ça, ça sépare le YC puis ça le remet ensemble. C'est... Faut que t'as l'espace par contre. Ça, mais... J'en vois un depuis le mien. Ah ouais. Puis le mien vient d'y aller. C'est pas commun. Cool. J'ai déjà un secret. C'est la seule fois dans le temps. Ça t'éduquait dessus bien ouais. comme il faut. Moi, ouais. je suis très bien compté. 2 plus 2 font 6. Ok, c'est bon. Oui. Eh oui, le Socrate avec même la tablette. La tablette pour le Socrate, man. Des jeux de Socrate là-bas, là. Là-bas. À travers le voilà, Tom, confusion. Je reviens, man. Je reviens de loin. Hein. Yes, je reviens avec ça. Les... Ah, c'est vrai que j'ai trouvé des micro-machines de haut. J'en venais, man. J'en ai trouvé. C'est des vintage micro-machines. C'est des vintage en plus. Tes recherches sur internet, le PC, le MP3. Tarnouche! What is the MP3? Je sais pas. Man, imagine t'as un livre là-dessus, man. Fuck. J'espère que tous les algorithmes de décompression d'MP3, parce que sinon je serais bien déçu. Sûrement pas. C'est ça le pire. C'est pas super intuitif à l'top. Non. Allez sur internet avec ton CD d'AOL, là. C'est dur. C'est pas facile, c'est hein. C'est dur, là. Vraiment. God. Hey, c'est cœur, hein, ça. Doux. Boy. Le party album de plein. Hey, le party va être pogné chez vous. Gaboy.
Dude! Oui, hey, mon adolescence est là-dedans. Ah shit, man. Presque. Wow. Tu sais, avec les hormones dans le tapis. Là. Les livres de Walt Disney, man. Ah, non, mais je les ai ça. Ouais, mais je vais pouvoir au moins les écouter dans mon char. Wow! Ah, c'est. Oh, tu pouvais tourner les pages en même temps que. Au son de la fée clochette. C'était cool, ça. Man, tu pourrais tuer quelqu'un avec ça, man. Tu ça? Check le boomerang. Hey, ça dick, man. Tu rentres ça direct dans le jugulaire. Tu sais, des vieux jouets, genre ça, c'est cool. Tu trouves pas de jeu, ben ouais. Tu ramasses des vieilles affaires, là, t'sais. Exact. Fait que. Parce que quand tu trouves plus de jeux, Tom s'achète des jouets, t'sais. Ah ouais, t'es rendu là. comme Baroque qui s'achète des vinyles, souvent. Ouais, des vinyles, t'sais. J'en check aussi. Ouais. Des Game Boy jaunes aussi. Je pense que j'en ai vu un là-bas, mais il était pas de mon goût. Non, c'est cool, man. Moi, j'aime bien ça, là. Qu'est-ce que ça prend pas que j'ai ici? Ah ouais, cool, man. Ouais. Ça se peut que je prenne ça. Oh shit. Ah ben non, man, ils l'ont fait version Star Wars. Yo. Oh shit, elle garde deux des yeux, man. C'est là, c'est cool. Tu sais ce qui rime avec Opération Star Wars? Non. Le Nintendo 64, c'est plat. J'achète ça pour Michael. Michael, il y a un kick sur le clanche 20. Oh un truc de James Bond, man. Fucking creepy. On dirait un evil dude avec sa genre de Asian chick. Dude! Heavy Metal Geo Matrix, on le casse. Ça, c'est parfait pour toi, ça. Ça fit. Soundtrack par Megadeth. Sérieux? Alfred. Chris Alfred. Megadeth, c'est quand même pas. Hey, Chris. Chanson de Priest. C'est dans le bon vieux temps, ça. Ça, c'est un fighter de Capcom. Avec la franchise Heavy Metal, c'est quand même pas pire. T'as-tu le clavier? Moi ouais, j'ai déjà le clavier. Ah, cool. J'ai la version. Il y a deux versions du clavier, je pense. Il y en a un qui est comme super Windows style. Là, ouais, bulky. Il y en a un qui est comme un peu plus blanc. Mais que le logo lui, était un beau truc là. Moi j'ai un sticker, c'est un sticker. C'est un sticker un peu croche. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est. C'est un peu poche, hein? C'est le late là. Ok. C'est lui que la boîte était noire. Comme ouais. En fait, ouais, je pense que c'est ça. Moi c'est ça le logique. Moi j'ai voulu le lâcher, mais là son clavier il est comme plein de malaise, tout collé. Si tu pèses dessus pis. Ah. Ouais. Ouais. Il aussi, ouais. Il était collé de même. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la malasse? C'est ça. Ben c'est noir. Oh yes! Yes. Ouais, ça s'appelle Retro PG Games, marché Jean Talon, une des best places de la ville. Ouais, hein? Ouais. Tu nous en parles souvent, là, que c'est. Parce que, tu le gars, il est dealable, puis il ramasse des belles affaires, fait que. Cool! C'est viable. Oh shit! Une pièce de collection. Ouais, une pièce légendaire. Légendaire juste en haut de Zizika. Combien? À 25 ans. Montre la pierre. Montre la pierre. Il va le prendre, mon esti. C'est le rap CD de chaque, man. Il est là. Avec les collants. Ouais. Free rap inside. Free rap inside. Ah, attends, j'ai d'autres chips. C'est sûr, tu l'ouvres pis tu mets ça dans le char en revenant, genre en non-stop repeat. Un port d'Amiga. Je le trouvais très métal. C'est metal, hein? Ouais. Mais la pochette, c'est un genre de chevalier. Ouais, c'est ça, la boîte n'a rien à voir avec ce cover, cette art LP. C'est vraiment différent. Mais sinon, j'en ai spoté un. C'est pas ça, 2D, 3D. L'autre qui était 45$, man, il y avait un requin dessus. Je pense que c'est SeaQuest. Ouais, you. Non. Ça ne devrait pas être 40$, fucking SeaQuest. Mais non. Ça devrait pas valoir ça. Qu'est-ce que ça dit, man? C'est vrai, qu'est-ce que ça dit? C'est uncommon, en Chris, c'est vraiment bon, man. Super Smash TV aussi, avec deux joysticks, c'est de la bonne. J'avoue, hein, Super Smash TV, c'est nice, ça. 15$, je m'en le dis là à 10. C'est quoi, ça? Ouais, mais ça, c'est quoi? Ah non, c'est jeu de courrier. Ça, c'est hot, ce jeu-là. Ça, j'adore ce jeu-là, mais c'est cher, moi. Le même Troubleshooter? J'allais, Troubleshooter, ça vaut cher. Hey, man, ouais. 110. Ouais. Mais il y en a un, j'ai vu il y a 2 secondes. Il y avait un requin dessus. C'est pas un coup de dauphin? Ça, c'est un dauphin. C'est quoi ça? Ah, c'est... Chris. Ok,
pour les full setters de NES. De jeux de McDo. De jeux de McDo, tu connais ça? Ben oui. Mais ça, c'est la suite. Oh shit. C'est les deux gars, ils ont évolué dans la vie, ils sont devenus plus vieux, puis ils ont eu plus de la slime, là. Ouais. Ils ont volé les proton packs des Ghostbusters. La glu des He-Man. C'est des Super Soldiers. Ouais, c'est ça. Puis, il y a de la grise ici. Tu brasses de la grise. Ouais, man, il y a beaucoup de SNES. C'est incroyable, man. Il y a vraiment beaucoup de SNES. Grise cool fun. Ça, man, ça, c'est juste du SNES. Tout ça. Toutes ces bins-là. As-tu pas mal tout passé à travers ça? Ouais, j'ai passé à travers. Il y a des titres. Et man, il y a des titres que, genre, j'ai cherché pendant longtemps. Paquet Marlon, man, ça fait. Oh shit, ben oui, t'en as parlé. Au Game Boy, il y avait original, il y avait Harvest Moon. J'ai cherché super longtemps, man, il y a 6-7. Il m'a fait 25 pour les deux. Hey, yeah, merci, buddy. Vraiment smart. Colin! Faut se prendre un Jérémy, voilà. je vais le prendre. Prends les gars. Je vais le prendre en cachette. Puis je vais le refiler dans son sac. Check. Il m'a laissé. Il m'a dit que je pouvais le voler. J'ai volé le petit Jérémy. Je vais le refiler dans le sac à Grétis quand il va avoir le tour tourné. Ça va être drôle.